Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Eh bien, salut tout le monde, c'est Rem Cross. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo pour vous dire ce qu'il en est de ma moto. Donc je crois que c'est l'épisode 3 si je me trompe pas. Ou alors, dans cet épisode, il va se passer le démontage de du moteur. Donc je l'ai ouvert en deux. On a dû enlever la boîte de vitesse pour la remettre après. On l'a fait tomber sans faire exprès, du coup on l'a remis. Ouais, on a changé les roulements, ça je voulais pas filmer quand on avait changé les roulements. On a remis l'embrayage, enfin tout ce qu'il y a. Donc voilà les gars. D'ailleurs, non, je vous le dirai après. Bon voilà les gars. Bon, bah moi je vous dis à tout de suite et bon visionnage. Thank you.
Donc voilà les gars, j'ai fini de démonter et de monter le moteur. Je pense que vous venez de le voir. Avant qu'on termine la vidéo, je tenais à vous montrer les pièces que j'ai reçues pour ma moto. Donc voilà les gars, moi je vous laisse avec l'unboxing et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Donc voilà les gars, je vais recevoir le colis pour ma moto. J'avoue, je l'ai déjà ouvert. Mais bon, je vais quand même faire une deuxième ouverture avec vous. Donc voilà, hop, on ouvre ça. Donc en premier, donc là je pense que c'est les vibroquins. C'est quoi? Ah non, filtre à air. Ah, GSX5000, ok, donc ça c'est pas pour moi. C'est pour la moto de mon père. Après je pense le carénage des RMZ. Attendez, je vais l'ouvrir et je vous le montre après. Donc voilà, le petit garde-boue qui va aller bien. On va poser là. Après, nous avons la plaque avant d'RMZ, donc qui va avec. Donc je l'ouvre et je vous la remontre. Donc voilà à quoi elle ressemble. C'est propre. Je vais vous montrer avec le garde-boue ce que ça fait. Voilà, ça donne ça. Donc ça va lui changer la gueule. Après, nous avons les plaques latéraux, donc en jaune. Et ça, vous connaissez. Hein. Donc voilà. Ah, il y a ça qui s'est détaché. Après, j'ai repris des protège-fourches parce que les miens étaient cassés, donc en noir. Hop, ils se sont ouverts. Bon, c'est pas grave. Hop. Et puis après, nous avons les joints de moteur, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Les joints de moteur. Un petit catalogue ANSR qui m'a été donné. C'est le catalogue pour mon père. Et là j'ai deux roulements. C'est des roulements, je ne sais pas c'est quoi. Je sais pas. Donc voilà, j'ai reçu toutes les pièces. Donc le garde-boue, ça va dessus, c'est bon. Puis là, ça sera fini. Les plaques, en fait, je vais les. Bon, est-ce que je vous le dis maintenant? Bon, je vais vous le dire, de toute façon vous avez vu les pièces, donc. En fait, les plaques, je vais les couper comme ça, à peu près, pour faire des plaques un peu type RMZ. Donc, genre, on va voir un peu le pot sur le côté, donc ça va être propre. Donc, sur les deux. Donc, du coup, qui dit nouveau truc, dit nouveau kit déco. Donc, pas un nouveau kit déco entier, mais juste pour ce qui est là, en fait. Donc, voilà. Bon, moi, je vous dis à tout de suite et bon visionnage. Donc, voilà, les gars, j'ai reçu le deuxième colis. Bon, j'ai déjà ouvert, mais voilà, donc on a ça, c'est pour enlever le vibroquin, donc voilà, et donc je vais refaire une petite découverte avec vous. Donc là c'est plus des pièces mécaniques, donc là on a le roulement de direction, donc voilà, on va le mettre là. Après on a les vis de couronne. Parce que les miennes sont un peu mortes. Après ici on a le piston vertex, le réplica, je sais pas quoi. Bon, je vais vous le montrer après, je vais l'ouvrir. Et là c'est le kit de brossillon, pour le brossillon, pour les roulements et tout. Voilà. Et là c'est des embouts pour cette machine, je crois. Ça doit être ça. Donc voilà, donc là c'est plus mécanique. Donc allez, je vais vous faire, on va dire, un petit unboxing des bois. Je vais plus vous montrer le piston en fait. Comment il est. C'est un petit vertex. Là, on a le segment. Hop. On a l'intérieur. Donc, je vais mal sortir. Voilà. Le petit piston vertex qui est plus. Et il est super beau, je trouve. Donc voilà, tout simple. Mais ça a été efficace. Bon, je vais pas vous faire les emballages des autres. Mais voilà. Donc voilà les gars. Bon, bah moi je vous dis à tout de suite. Et bon visionnage. Allez. Donc voilà les gars, je pense que vous venez de voir l'unboxing. Donc voilà, vous avez vu toutes les pièces que je vais ajouter sur ma moto. Ça va lui changer un peu la gueule. Ça va faire super beau. Enfin bref, j'ai aussi commandé un petit kit déco qui devra arriver dans pas très longtemps. Donc voilà, je vous montrerai une fois que tout sera mis,
Donc voilà les gars, bon, petite parenthèse, je tenais à remercier mon père et mon parrain. Attends, je commence à avoir une crampe au bras. Mon père et mon parrain pour m'avoir acheté les pièces et me les avoir montées. Parce que sans eux, j'aurais pu, ben, j'aurais arrêté, hein, tout simplement. Donc merci. Et ben voilà les gars. Bon, ben, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Lâche un commentaire si cette série te plaît. En tout cas, moi, je m'amuse bien à la faire. Comme ça, vous sachez... Comment on dit déjà ? Comme ça, vous savez, voilà. Comment c'est à l'intérieur d'un moteur de cross. Bon, là, de la 125RM. Mais sinon, vous, c'est à peu près la même chose. Donc, voilà, les gars. Bon, ben, j'espère qu'en tout cas, elle vous aura plu. Si c'était pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. Et voilà, les gars. Bon, ben, moi, je vous dis... À la prochaine, ciao!